Tristan, et je voulais faire ma passion et puis beaucoup de création surtout, sans être trop dépassé par les quantités. C'est pour ça que je me suis mis dans un petit village perdu pour être tranquille, puis œuvrer au jour le jour avec des créations uniques, et toujours à la recherche des bons produits. Chaque chocolat a son identité, son travail particulier. La truffe blanche avec une gousse de vanille, le caramel, qui est un vrai caramel maison, les rochers avec c'est une amande que j'ai choisie, une amande espagnole, que ça soit je sais pas, une noisette du Piémont, que ça soit le vrai praliné, il y a tout ce qui est travaillé ici. Et ça, on ne peut pas en faire des tonnes, c'est juste le plaisir. Et on cherche surtout à servir les gens qui se déplacent. Et c'est pour ça que quasi rien n'est expédié. Tout le monde vient chercher la bougie, quoi, faut venir. Je suis à la recherche des pistaches en Sicile. Je reviens du Piémont pour la récolte des noisettes qui va arriver. Constamment à la recherche de ce qu'il y a de meilleur. Et puis ça se fait avec les clients, parce que ça devient des amis, les gens viennent régulièrement, on se connaît, c'est hey, comment ça va et tout. Ah regarde, je suis parti en vacances, tiens, je t'ai ramené deux gousses de vanille, de Tongo. Puis voilà, au gré du temps, des années, des rencontres, puis les gens qui viennent un peu partout. Puis moi, je vais toujours à la recherche pour comprendre, puis chercher ce qu'il y a de meilleur.